Hello les amis, j'ai décidé de faire un mukbang. Mukbang! C'est quoi ça un mukbang? Ça c'est du monde qui s'en piffe en parlant à TV. Ben pas à TV, mais en vidéo. Ils mangent comme des cochons, puis ils parlent. Oh, si j'ai brossé mon argent de verre. C'est pas grave, c'est bon pareil. Même pas mauvais en plus, argile verte. Avec la pinza. On va faire un uniforme aussi pour mes pieds. On a ça vous crosser des pieds, ça. Fait un spécial pour l'Ukraine. Aussi. Liberté. Bon, ouais. On va en venir pour, où on voulait en venir. Petit constat. Un peu d'argent vert. Faire ça toutes les fois, je vais devenir un gros cochon. Comme Nico Avocado, Nick Avocado, oh mon dieu, quelle horreur, grosse crise de poire. Grosse, c'est ce qui m'énerve, man. Regarde ça une couple de fois. C'est assez morbide de voir ça pareil. Ouais, mais c'est une vidéo, moi, c'est vrai. Pour juste manger, parler. Ah, du salami piquant. Bref. Il y a 3 ans quand tout ça a commencé, j'étais pas mal tout seul. Je faisais pas juste dénoncer Stéphane Blais, la meute et compagnie. Il y a 3 ans, je dénonçais aussi les francs-maçons dans les médias, dans la politique, dans le monde du spectacle, dans le monde de l'humour, et ainsi de suite, dans le sport. Puis j'allais tout le temps sur les publications du Devoir, la presse, le Journal de Montréal, les compagnies, TVA. À chaque fois qu'il parlait de quelqu'un, là, ah, c'est un franc-maçon, yeah, un petit. Freemason filth. Et j'étais tout seul à faire ça, puis je me faisais envoyer chier, je faisais rire de moi. Un like, de temps en temps, de quelqu'un qui. Fait que je retourne perpétuellement faire ça. De moins en moins, parce que je suis bloqué, je peux plus écrire sur la plupart des médias de masse. Et de leur outlet. Oui. Il y a à peu près 2 mois, quand Pierre Bruno a pris sa retraite, les gens ils ont sauté à la gorge, c'était de toute beauté. Cette petite franc-maçon décaliste, cette petite vieille charogne, vieille pouliture. Propagateur de mensonges et ainsi de suite. C'était assez fascinant. Puis, je suis retourné aujourd'hui. Ben, pas, je suis pas retourné, c'est juste. Dans mon nouveau compte, on me sponsorise, on me push des affaires qui vont prendre ce que je vais aimer. Fait qu'il y a une affaire de l'informateur qui passe, une publication. Puis ça parlait de Pierre Bruno, qui fait un retour à l'antenne. Sa retraite 2 mois, mais le retour. De toute beauté. Comment il y a 1000 commentaires. Il y en a à peu près 990. Que c'est des insultes. Des calices, vieux Christ de singe. On était bien des calices, franc-maçon. Et ainsi de suite. De toute beauté. Je vais laisser mon petit mot comme d'habitude. Mon petit mot maintenant, il se perd dans la masse des petits mots des autres qui vont abonder dans le même sens. J'analyse beaucoup, je réalise beaucoup le truc automatique à cause de ma glande pinéale. L'éveil, c'est ça, c'est.
en quelque sorte, en partie, une des particularités de, disons, c'est de comprendre, de ne pas avoir besoin de réfléchir, c'est de comprendre sur le moment et faire des liens qu'on ne ferait pas normalement. Et c'est d'expliquer comment ça se passe. J'ai des vidéos sur le grand pignage. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Vous écouterez mes vidéos sur la grande pignage que j'ai fait et que je vais continuer à faire. J'ai pas commencé dans l'ordre. De toute façon, il faut vous la décrasser puis ça va vous prendre la plupart un bon 6 mois, 2 ans, peut-être plus. Ça peut rendre 8 ans. Il faut juste vous commencer à un moment donné puis que vous soyez discipliné. Bref, une autre pointe de pizza. Dans les films où il y a un capoté dans sa chambre, il y a un million de punaises. Hey, une araignée! Hey, girl! J'en ai une couple chez nous. J'ai deux chats et 3-4 araignées. Ils vivent sur mon plafond, ils ont leur spot. On a peur de ça avant, c'est ridicule. Hein? On a peur d'une petite bébête de même. Je les ai pas encore mangés, comme ils disent, hein? On mange 500 araignées dans une vie. Il y en a 4 chez nous, 3-4 sont encore là. Ah, c'est ce que je fais dur pareil. Mokbang! Hein, mais vous ça? Pas moi. Ben, ça, j'aime ça, mais. J'aime pas le concept qui est abrutissant sacrément. Hein? Regardez quelqu'un qui vous voit comme ça. Regardez sur TikTok, il y en a Saint-Sacrement des affaires de même. Puis Instagram aussi. Il y a du monde qui gagne leur vie comme ça en mangeant des porcs et en parlant. Le sujet par rapport de leur vie. Fascinant. L'idiocratie du calice. Fait qu'est-ce que j'ai fait comme lien? C'est que je me suis dit, sur 1000 commentaires, il y en a énormément qui sont injurieux. Intéressant. On n'est pas si mal pris que je pensais. Mais pas aussi loin que je pensais. Là, je me suis mis à faire plus de commentaires, hein, puis plus de commentaires. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je connais personne. Une fille que je connais, un gars que je connais, ont posté là-dessus, sur les 1000, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça a d'intéressant? Ouais, c'était juste de la croûte à me rendre l'angle. Un blooper, toi! C'est-tu cool? Comme ça fait de niaiser de même, celui qui m'aime pas face naisse encore plus. Fait que bref, le constat que j'ai fait, un constat à quelques étapes, c'est que si je les connais pas, avant de dire que je les connais pas, je suis allé voir, je l'ai pris plusieurs, un assez gros échantillon, je suis allé voir leur liste d'amis. Ils n'ont pas de farfadat, ils n'ont pas de meute. Personne du mouvement que je connais, bon ou pas bon. Personne. Ils sont où ce monde-là? Ils sont tous éparpillés un peu partout au Québec, au Canada. On n'a aucune idée qu'ils existent. Pas plus moi que vous autres, plus que la meute et compagnie.
Et c'est des gens qui sont. Qui se sont soit auto-exclus du mouvement, comme j'aurais dû faire dès le début. Puis à côté du mouvement, avec des guillemets, là, il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer. Ça fait du monde en crise. Puis il y a pas mal moins de légumes que dans notre mouvement. Des gens avec leur répartie qui savent écrire, il y en a en crise. Il y a une couple qui ont liké mes affaires. Au fil du temps, moi j'ai emmené du monde de même qui ne savent pas pantoute, qui veulent rien savoir du mouvement, qui ne savent pas c'est qui Steve Charland. Mais je leur fais de l'info. Puis ils sont dans ma liste d'amis, puis ils ont juste moi. J'ai peut-être un ami en commun ou deux. Puis bien souvent, c'est mes autres comptes. Non, comme ça, il y en a en crise. Pourquoi vous ne les connaissez pas? Parce que le mouvement. Il faut que je me dépêche, ça va. Moi, je vais manquer de jus. Ça se passe. Le mouvement vous empêche de connaître ces gens-là parce que vous sectarise. Changer un système pour un autre système. Fait que le côté sectaire de notre mouvement nous divise, dans le fond, nous enlève l'occasion de faire partie d'un vrai mouvement. Du vrai mouvement qui se passe à côté. Fait que moi j'en connais beaucoup de ce monde-là. Puis on commence à jaser pour monter des affaires puis tout, puis de voir que des papis farfadants, là, pis avec la barbe tout jaune, tu sais pas trop si c'est de la pisse ou de la cigarette. Et enlever les fossés et compagnie, c'est un sacrement du corps, là, finalement. Moi, je parle en bouche pleine, j'ai décidé de pas être poli. Petite gorgée de terre. Fait que faites comme moi, allez sur ces publications-là. Faites ce que j'ai fait. Ajoutez-en une couple qui ont l'air intéressant, qui ont de la répartie, qui ont de quoi agir, qui sont capables de faire des textes. Allez voir qu'il y a du monde intelligent. C'est pas mal plus que dans notre mouvement qui fait pitié en crise. Fait que c'est un constat que j'ai fait. Puis que moi, je vais continuer d'explorer quand je vais avoir mes comptes. Je vais aller chercher. Continuer d'aller en chercher. Ces gens-là sont beaucoup plus réceptifs que nos éveillés. L'autre jour, quelqu'un broyait. Arrête d'être méchant avec les éveillés. Tu devrais essayer de les éduquer. Ça fait 3 ans que j'essaie. Vous faites juste chier sur moi. Me bloquer. Vous foutre de ma gueule. Péter des coches puis me bloquer. Faire des faux comptes avec mon nom. Faire passer pour un sataniste et toutes sortes de mal. Un pédophile aussi, hein? Je n'aimerais pas les deux crises de Taouin. Mais on fait ça, je vais leur arracher à la face à un moment donné. Je leur ai promis. Je tiens mes promesses. Et un mukbang est fini. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Mukbang. Je sais bien c'était. Ce trend complètement ridicule. Alors qu'on doit apprendre à jeûner de plus en plus, le mouvement de plus en plus fréquent. C'est ça, là. C'est ça, le système. Là, vous gardez gras, malade, comme des porcs. Pas trop intelligent. Pas en santé. C'est plus facile à contrôler. Vous mourrez plus jeune aussi, vous êtes moins les jambes longtemps. Fait qu'attention au mouvement. Ça va être ça le titre de ma vidéo. Ça vous sectarise, ça vous coupe du reste du monde. Qui connaissent pas Steve Charland ou qui en ont rien à foutre de Steve Charland. Eux autres, Madame X, ils arrivent en dehors du mouvement, puis ils vous voient ça de loin par ta rire. Pas mal.